Vous avez bien connu, vous autres, la phrasie que ça me met à placher l'année de ses 13 ans. Je mettais en main cochois à la ferme des Nouettes, qui est maître de la commune, une sacrée leuronne. Elle a des pâtureaux, carène en boulonnais. Et puis, à ce truc, la grande lettre, un jour, la maîtresse a dit: oh, quelque chose qui va point. Mais, comme à ce temps-là, les femmes causaient point comme à ce truc. Maître Firmin qui rentre, il dit: qu'est-ce que t'as, la maîtresse est toute chiboulée comme ça. Mais c'est au sujet de la phrasie. Tu connais qu'on fait la phrasie? Ben, il me semble qu'elle grossit un petit peu du vent. Il dit: oui, j'avais vu que ça gonflait un petit peu au-dessus de son chigneux. Va la trancher. Alors, la phrasie à sa mène, les yeux baissés, devant le mec. Dis donc, la phrasie, ça serait-il qu'on te donne trop à manger? Il me semble que tu grossis un petit peu. Qu'on te mènerait dans les yeux? La phrasie à Arlem, mais regarde. T'as rien pour que pratique, t'es ma parfille. Puis elle se met à pleurer, elle prend son tablier, puis elle s'essuie, puis elle s'en va, puis les gens arrivent, alors ils se mettent à dîner tous ensemble, comme ça, puis le soir, la maîtresse de maison dit: tracassé, qui t'a la maîtresse? Ben, c'est au sujet de la phrasie. Tu veux faire pour la phrasie? Ben, je sais point, moi. Comme je suis maître de la commune, on ne peut pas la renvoyer. Puis la maîtresse dit: puis j'étais notre garçon qui a fait le coup. Il n'y a qu'à rien dit. Le chien qui a fait le coup, il va arriver à décaniller. Et le temps passe. Maître Firmin, qui est maître de la commune, il se promène dans son village, les mains se sont gelées, puis il veut bien que les gens ricanent un peu derrière lui. Puis un jour, son premier adjoint, il dit: dis donc, maître Firmin, j'ai quelque chose à te demander. Tu sais que toi, t'es heureux. Au sujet de la phrasie, qui t'a fait la phrasie? Ben, il me semble qu'accroché un petit peu du ventre, je vais te dire pour tête à gouverne pis autre. La phrasie, elle est tombée sur une pointe d'herbe, puis je suis un peu tumé. Ça me dit.